Le moment était attendu, c'est l'heure. Ouverture ce samedi 28 novembre des Grands Montées, une ouverture partielle. On a au moins 1,50 m de neige ici au sommet de Bochard. Il y a 60 cm de neige en bas à Lognan. Des conditions maximum pour ouvrir fin novembre. C'est de la neige très poudreuse. Il a fait très froid ces derniers temps. Et on a vraiment une neige de qualité. On avait eu peur du vent hier. En fait, il n'a pas tellement soufflé. Du coup, c'est resté très, très poudreux, vraiment excellent à skier. Alors, avec ces conditions, l'ouverture du domaine pour demain permettra de monter à plus de 2700 mètres d'altitude. Alors là, on ouvre simplement le télécabine de Bochard, le télésiège des Marmottons, à partir de Lognan. Et les deux, le télécabine et le téléphérique du premier tronçon. Mais prudence, en ce début de saison, pas question de sortir trop vite dans des pentes exposées. Le risque est réel. Il faut être très vigilant en début de saison, comme actuellement. En dessus de 2700 mètres, il y a eu des grosses avalanches de fond sur 1,50 m à 2 m de haut. En dessous de 2006, l'enneigement est moins important. Il y a encore beaucoup de rochers et il y a des plaques ponctuelles. Il faut être hyper vigilant. On sera en risque 3 demain. Mais si vous sortez, soyez vraiment très vigilant. Dans les pentes exposées raides, dans les petits couloirs, on peut se faire surprendre avec des plaques de 30 à 40. Moi, le conseil que je donne, nous on propose une piste qui est damée, qui est pas très large, mais qui est damée, qui est excellente. En bordure de piste, c'est sécurisé. On a fait un PIDA hier. Après, en dehors, sur la pendant, le secteur de la pendant, le secteur de la herse, on n'a pas été mettre les pieds. On vient ici pour faire de la poudreuse, évidemment, mais pas trop s'exposer. La saison va être longue. Allez, vous savez tout. Bonne reprise à tous. Bon ski.